Merci le Dieu puissant. Nous les bénissons l'éternel de l'armée. Nous laissons le monde de roi de gloire. Nous t'exaltons pour Dieu puissant. Tu es digne de gloire. Tu es digne d'être élevé au milieu de nous. Tu es digne d'être adoré. Toi qui écoutes de la prière. Le Dieu qui nous a donné la vie. Seigneur, tu es en vie ce soir. Et parce que tu nous as donné la vie de ton âme. Nous laissons le monde de roi de gloire. Nous t'exaltons pour Dieu. Si le monde ne change pas, sur la délivrance, la guérison des lépreux. Et la Bible déclare que sur les 9 lépreux, sur les 10 lépreux qu'il y avait, un seul est revenu vers Jésus pour dire merci. Et quand cette personne est revenue dire merci à Jésus, Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Amen. C'était pour montrer la différence entre la guérison c'est physique, c'est pour cette terre seulement. Amen. Mais la vie éternelle, c'est pour après cette vie. Yes. Nous devons être reconnaissants à Dieu. Quelles que soient les situations, quels que soient les moments, c'est vrai que nous ne sommes peut-être pas au niveau où nous voulons être, nous devons être. Mais à Christ, nous devons reconnaître que là où nous sommes, sauf pas, Dieu a déjà fait dans nos vies. Amen. Nous allons maintenant prendre encore dans un autre moment important qui nous donne la récompense. Car nous pouvons nous prononcer devant la face de Dieu avec le péché. La Bible déclare que ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre lui et nous. Jésus-Christ reste le même. Mon frère, ma soeur, tu me suis en ligne, quel que soit là où tu es, approche-toi de Dieu, demande pardon. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que tu as été dans ta vie, Jésus-Christ t'aime. Et il donne encore l'opportunité ce soir de venir à lui tel que tu es. Amen. Prions ensemble. Ferme maintenant les yeux là où tu es et implore la grâce de Dieu. Seigneur, nous oh Jésus, nous te demandons, mon Dieu, viens pardonner nos fautes, viens pardonner nos péchés, Seigneur, mon Dieu, pour moi. Je reconnais qui j'ai été hier, Seigneur, je reconnais là où j'ai été, papa, dans les maisons des pécheurs, Seigneur, dans la fornication, dans le vin des méchants de ce monde. Oh Jésus, combien de fois j'ai manqué de prier, combien de fois j'ai été chrétien rétrograde, combien de fois je me suis écarté de toi, Seigneur, Seigneur, qui suis-je pour moi? Les Dieu qui pardonne, nous sommes là, mon Dieu, devant cette assemblée. Ce soir encore, nous sommes venus encore pleurer ta grâce dans nos vies. Les Dieu qui pardonne le péché. Les Dieu qui sanctifie. Les Dieu qui purifie, Seigneur. Oh, mon Dieu, tu m'as aimé, Jésus. Tu m'as vu ce que je suis. Tu n'as pas rien de fêté. Tu n'as pas rien de ma famille. Tu n'as pas rien de ces choses, Seigneur. Tu n'as pas appelé par mon nom. 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 Tu n'as pas Je ne sais pas comment je vais faire, Seigneur.
Bien-aimé, je veux encore te rassurer que le Seigneur écoute tes prières. Le Seigneur écoute tes prières, il est présent, il est là. La Bible déclare que là où deux ou trois personnes sont réunies, Jésus-Christ est là, sa présence est là. Il ne refuse jamais ses enfants. La Bible déclare que le fils prodigue revenait de son aventure, ses mésaventures. Son père l'attendait. Jésus-Christ t'attend. Jésus-Christ t'attend. Quel que soit là où tu es, quel que soit ce que tu vois dans ta vie, quel que soit ce que tu as fait, il y a ton Père qui t'attend quelque part. Il est prêt à pardonner. Il est prêt à recommencer avec toi. Il est prêt à de nouvelles chances. Approche-toi de Jésus. Approche-toi de lui. N'aie pas peur. La Bible déclare que sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Le sang de Jésus a coulé. Un pauvre étant le sang de la grâce. Ce n'est pas par tes efforts. Ce n'est pas parce que tu paies la dîme et les offrandes, mais c'est à cause du sang qui a coulé pour toi. Un pauvre étant le sang de Jésus. Ô Éternel, nous implorons ton sang. Ô Dieu, toi qui es le même Jésus, toi qui es Dieu, ô Père, nous implorons ton sang éternel, nous implorons ton sang Jésus-Christ, viens laver nos vies, viens laver nos cœurs, viens nous laver Jésus-Christ, nous avons sué tant de fois ton temple, nous avons tant de fois sué ton notre corps. Dans les choses de ce monde, Seigneur, nous nous reconnaissons ce soir, nous venons à toi tel que nous sommes, viens laver nos vies. Viens avec nos pères, lave-nous, ô Dieu. Jésus, tu es le même. Tu es Jéhovah Jireh. Tu es Dieu des cieux. Tu sièges au milieu de tous tes cieux, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es le même éternel, mon Dieu. Viens encore laver. Viens encore purifier, Seigneur. Viens laver nos vies. Lave-nous, Jésus. Lave-nous, Seigneur. Pas que ce soit nos propres efforts, Seigneur. La cause du sang qui a coulé. À cause du sang de la grâce. À cause du sang de la vie. À cause du sang, ô Jésus-Christ, ô Père. Le sang de tout le monde a pu enlever le péché. Tu étais fatigué de ces choses. Voici pourquoi tu as envoyé Jésus. Tu l'as envoyé sur la croix, Seigneur. Et même qu'il n'avait rien fait, il a pris ma place. Il a pris mon péché. Il a pris mon opprobre. Il a pris qui j'étais, Seigneur mon Dieu. Il a été la puissance de la sorcellerie sur la croix. Il a été la puissance au Père qui nous met sur la croix, Seigneur. Il a tout porté. Voici pourquoi Dieu a fermé les portes. Il a fermé les yeux. Oh Jésus, à cause de moi, à cause de moi, Seigneur, à cause de mon histoire, à cause de ce que j'ai mangé, à cause de là où j'ai été, à cause de ma vie, à cause de mon passé, quelqu'un est mort pour ma vie, quelqu'un est mort pour moi, pour que je puisse travailler, pour que je puisse être ingénieur, pour que je puisse étudier, pour que je puisse me marier. Le prix a été payé, le sang de la grâce. Jésus-Christ est mort sur la croix. Jésus-Christ a payé le prix pour les choses. Aujourd'hui, si je me salue, ce n'est ni par ma force, ni par mon intelligence, Seigneur, mais parce que quelqu'un a été la victime expiatoire. Oh Jésus, sois élevé, Seigneur. Disons merci. Toi qui es Dieu, toi qui es le même Jésus. Oh Dieu, éternel des armées, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur. Oh Jésus, merci.
Merci. Merci, Seigneur. Oh, Seigneur mon Dieu, toi qui es Dieu, toi qui es le même, toi qui ne change pas. Oh, Jésus, nous te disons merci. Car toi, ce que tu redis tes enfants, car toi, ce que tu fais ton œuvre, Seigneur mon Dieu, nous redis les cas, mon Dieu, que si tu ne le fais pas, je susciterai les pieds. Je susciterai les pieds. Oh, Jésus-Christ, merci parce que tu es là. Esprit de Dieu, viens de toi, Seigneur. Jésus, merci. Oh, je suis comme toi. Oh, Papa, merci. Oh, Jésus, tu es Dieu des cieux. Viens de toi, éternel. Descends encore, éternel. Descends, Jésus. Descends, Jésus. Descends, Jésus. Et bien aimé ce soir, je te rassure encore que tu es au bon endroit. Tu es à l'endroit où le Seigneur t'attend. Je me rappelle quand nous avons commencé les temps de confinement, le pasteur lui allait prêcher sur la visitation. Tu l'as entendu de visitation. Dieu est certainement capable. Il est là. Tu as demandé pardon. Je ne sais pas de quel péché, de quelle chose tu te reproches, mais je te rassure que le Seigneur t'a pardonné. Et maintenant, tu seras capable de demander. Tu seras capable de combattre. Maintenant, tu es prêt. Dans ces mêmes élans, nous allons maintenant inviter l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu puisse diriger ces moments. Je n'ai rien préparé aujourd'hui. Je n'ai même pas préparé être devant vous ce soir. Mais le Seigneur fait ces choses comme il le veut. Il est fidèle. J'ai demandé à ce que le Saint-Esprit, que nous puissions disparaître, qu'il apparaisse, qu'il est en train d'apparaître. Demandons l'aide du Saint-Esprit qui vient encore conduire ces moments. Prions ensemble, mes frères et sœurs. Ne ferme pas ta bouche devant le roi et t'écoute. Oh Jésus, nous t'invoquons, Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, combien de fois je t'ai attristé par le péché. Combien de fois je t'ai mis loin de moi, Saint-Esprit. Combien de fois je t'ai ignoré. J'ai été scellé par toi pour le jour de la rédemption. Et je ne fais pas tard de toi. Je compte sur ma force. Je compte sur mon intelligence. Je compte sur moi parce que je me dis, Seigneur, je suis un grand travailleur. Je peux le faire. Saint-Esprit, avec toi, tu es là. Tu peux me révéler ce secret. Tu peux me donner au moins l'intelligence. Tu peux me dire, oh Dieu, mais à plein de choses que les autres ne peuvent pas réaliser. Parce que toi, tu es avec moi. Oh Jésus, oh Saint-Esprit, quelle grâce de t'avoir dans ma présence. Quelle grâce de t'avoir dans mon corps. Quelle grâce d'avoir été scellé par moi. L'Esprit de Dieu a été scellé dans nos vies, dans nos corps, pour le jour de la rédemption. Nous sommes des hommes extraordinaires, car le Saint-Esprit de Dieu est là, il est présent, il est au milieu de nous, il ne change pas, il est le même Saint-Esprit. Merci. Parce qu'aujourd'hui, la différence entre moi, le monde que j'étais hier et le monde que je suis aujourd'hui, c'est l'Esprit de Dieu, c'est la présence de Dieu dans ma vie. Oh, éternel des armées, tu es Dieu éternel, qui est comme toi. Je te remercie, Saint-Esprit, de ce que tes enfants sont venus encore ce soir. Malgré la fatigue, malgré le froid, malgré les difficultés, malgré les situations, Esprit de Dieu, tu as encore venu tes enfants, Seigneur, sois relevé. Oh, Jésus, merci, qui est comme toi, éternel. Oh, Jésus, merci. Merci Seigneur. Oh Jésus-Christ. Oh Seigneur. Oh Jésus. Qui est Dieu. Oh Jésus-Christ. Qui est comme toi. Merci. Oh Jésus-Christ. Merci. 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 Alléluia, bien-aimé. Merci, cher Saint-Esprit. Je vais peut-être entonner des chants que vous ne connaissez peut-être pas. Mais l'Esprit de Dieu va vous aider. Vous savez, moi, quand j'étais au Ghana, la première fois quand je suis allé du côté du Ghana, je ne parlais pas anglais. Et au Ghana, ils ont un problème. Ils parlent leur native language. Ils parlent tui. Donc, chaque fois que je partais dans les lieux de culte,
Je ne comprenais pas ce que les Ghanéens disaient quand ils chantaient. Mais quand je les voyais chanter, quand je les voyais adorer, quand je les voyais, je ne sais pas, je prie, je fais. I was trying my best to feel like them because il y avait un esprit, le Saint-Esprit était là. Ce qui fait que je ne me sentais pas étranger. Vous savez, quel que soit le chant que je vais entonner, vous n'êtes pas étranger. Entrez seulement en vous. Moi, ce que j'aime quand j'entends les cantiques, c'est que j'aime réaliser ce que je dis. Je n'ai pas une belle voix, mais quand je chante, je réalise les paroles. Quand je vais chanter, mon frère et ma soeur, si tu ne connais pas le chant que je vais entonner, réalise seulement les paroles et rentre dans la prière. Rentre dans l'intimité avec ton Dieu. Il est capable. Tout est possible à lui. La Bible dit que sur la croix, il a tout accompli. Voici pourquoi moi, j'aimais un évangéliste, un soin, il disait que nous ne marchons pas pour la victoire parce que quelqu'un a vaincu pour nous. Nous marchons dans la victoire parce que nous avons déjà vaincu. Amen. Alléluia. Amen. Oh Jésus, merci. Seigneur, nous te bénissons parce qu'il n'y a que toi, Éternel. Amen. Tu es le Dieu des cieux, tu ne changes pas. Amen. Oh Seigneur, mon Dieu, qui est comme toi? Qui est comme toi, Jésus? Sois élevé, mon Dieu, mon roi. Oh Papa, là où nous sommes maintenant, Papa, nous voulons rentrer dans l'intimité avec toi. Nous voulons disparaître, Seigneur. Nous voulons oublier, Papa, nos problèmes. Nous voulons maintenant nous focaliser à toi. La Bible est là que tu viens chercher les adorateurs, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons maintenant être tes adorateurs, Seigneur, mon Dieu. Le monde et ses plaisirs vont passer. La vie passera, Seigneur. Les bons boulots, les voitures, les belles femmes, tout ça va disparaître. Mais Jésus-Christ, ce qui va rester, c'est l'intimité, ô Dieu Père. Un jour, je verrai mon Dieu. Un jour, je verrai mon époux, Seigneur. Un jour, je verrai celui qui a donné sa vie pour moi, éternel. Ô Jésus, sois béni, mon Dieu. Papa qui suit, Papa, tu m'as choisi depuis le sein du ventre de ma maman. Je n'étais pas, ô Dieu, Papa. Je n'étais pas dit, mais tu m'as fait grâce. Fais grâce, Jésus. Ô mon Dieu, Seigneur, nous voulons te nous voulons maintenant se avec toi. Oh, Seigneur, merci. Merci pour toutes choses, pour ce Dieu. Je sais que tu es là, Dieu Père. Je sais que tu es là, je sais que tu es là, mon papa. Je sais que tu es là, je sais que tu es là, Jésus-Christ. Je sais que tu es là, mon âme te bénit. Mon âme est bénie, mon âme est bénie, car je sais que tu es là, mon âme est bénie, mon âme est bénie. Oh. Mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, Jésus, mon âme te bénit. Oh, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Oh Jésus, ton Dieu est là. Ton Dieu est là. Qu'est-ce que tu manques? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu vois dans ta vie? Jésus-Christ est là. Il a déjà tout payé. Il t'a déjà tout donné. Il t'a donné la chose la plus précieuse. Qu'est-ce que tu le manques que toi, il ne peut te donner? Il te dit qu'il est là. Jésus-Christ est là. Ne ferme pas la bouche devant le roi. Ne ferme pas la bouche devant ton Dieu. Il est capable de changer ton histoire. Il est capable de changer ta vie. Il est capable. Crie à ton Dieu. Parle-le maintenant. Il écoute. La Bible est là que son oreille n'est pas trop court. Son oreille n'est pas trop court. Ça ne va pas trop court. Si les hommes tombent dessus,
Jésus-Christ est le même. Si on t'a menti, Jésus-Christ est le même. Oh, approche-toi de lui. Certainement il est là. Certainement il est capable. Certainement Dieu a fait des réserves pour toi. Même si on voit la plus frappe, Jésus-Christ reste le même. Jésus-Christ est Dieu. Oh Dieu, oh Jésus, oui, ton Dieu est là, parle à ton Dieu ce soir, parle à ton Dieu maintenant, parle-le, dis-le que tu es là, dis-le que tu aimes, dis-le que tu es là, dis-le maintenant, oh Jésus, tu es là, Jésus, tu es là, Seigneur, tu es là, éternel. Tu es là, Seigneur, nous savons que tu es au roi, 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 que tu es au Jésus Christ, le Fils de Nazareth, que tu es au ciel, que tu es avec eux. Il est là avec moi, il est là, il est là, ne ferme pas la bouche, Jésus-Christ est là, Jésus-Christ est là, parle-toi à ton Dieu, parle-toi à ton Dieu, oh Jésus, oh Jérémie, tu es là, Seigneur, tu es là, oh Seigneur, ah, tu es là, oui, Seigneur. Seigneur, merci. Alléluia. 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 Vous savez, il y a de cela quelques jours, je suis avec une sœur en Christ du côté du Gabon. C'est une femme que le Seigneur utilise puissamment dans le Seigneur. J'ai été beaucoup touché parce qu'une fois, récemment, on a discuté. Elle me faisait part de ses désirs. Elle me faisait part de ce qu'elle voulait dans sa vie. Elle était pas vraiment heureuse. Elle m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Elle m'a dit que, tu sais, Rolis, nous les gens qui prêchons, nous les gens qui libérons la parole, souvent nous ne vivons pas cette parole-là. Ça m'a beaucoup fait mal. Parce que je ne me vois pas prier, je ne me vois pas venir dans ces lieux, vivre la vie chrétienne, et puis échouer, ne pas obtenir les désirs de mon cœur. Mon frère, ma soeur, sache une chose, c'est impossible. La Bible déclare que cherchez clairement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus tout dans ce siècle présent. Le pasteur nous a dit ici que, écoutez, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de slogan. Tu vas manifester le royaume des cieux que tu vas vivre, la vie que tu vas vivre, tu la vas la manifester ici. La Bible déclare que voici les choses qui accompagneront les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mon frère, ma soeur, si tu crois vraiment en Jésus-Christ, tu dois vivre les miracles d'abord ici-bas. Ça vient se manifester d'abord ici. Si tu le dis parce que tu n'es pas chrétien, il y a un problème, check ta vie. J'ai dit à cette soeur, non, je refuse de croire que moi un jour, que toi tu prêches, que moi je prêche peut-être un jour, je ne sais pas, et que je n'ai pas pu voir. Je lui ai dit que tu sais, j'ai toujours refusé ça dans ma vie chrétienne. Refuser de vivre les choses quand même que je libère. Comme ce soir, j'ai eu la grâce par le pasteur Willy de me dire de vous libérer des choses. Je refuse de dire que Jésus-Christ est là. Je refuse de croire que tout est possible en lui. Et moi-même, ne pas vivre ces miracles. Mon frère, ma soeur, là où tu es, refuse ça dans ta vie. Amen. Tu dois voir la puissance de Dieu. Amen. Tu dois voir ce qui la manifeste. Amen. Quand tu prêches la parole, quand tu parles de Jésus aux gens, tu dois vivre ça d'abord dans ta propre vie. Amen. Tu es le premier témoignage. La Bible est dans la parole de Dieu que nous l'avons vécu par la puissance du sang de Jésus et la puissance de notre témoignage. Si ton témoignage n'est pas puissant, je suis désolé, check ta vie. Check ta vie. La vie chrétienne n'est pas un slogan. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous refusons l'échec. Nous refusons cette vie de slogan. Nous voulons des chrétiens, des chrétiens affermis. Nous voulons des chrétiens qui vont nous voulons vivre notre nouvelle version. Nous voulons toucher notre rêve. Oh Jésus-Christ, sachez maintenant que là où vous êtes, quel est le rêve que tu as dans ton cœur? Qu'est-ce que tu désires faire dans ta vie? Jésus-Christ te dit ce soir, qui te donnera ça? Que
que c'est possible pour toi aussi. Que certainement, ce niveau-là est pour toi aussi. C'est pas seulement pour les païens. Avant de quitter cette terre, tu dois vivre ton rêve à toi. Prions, refusons maintenant l'échec dans nos vies. Oh Jésus-Christ, Papa, nous refusons, Seigneur, mon Dieu, mon Père, de vivre une vie de slogan. Nous refusons, Jésus-Christ, au Père, de vivre une vie de direct. Nous refusons, Seigneur, mon Dieu, de vivre une vie d'apparence. Mon Dieu, Papa, nous savons, oh Dieu, Père, que selon ce que tu as dit dans ta parole, que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oh Dieu, Papa, que nous allons vivre ces choses manifestes en nous. Parce que nous savons, Seigneur, mon Dieu, mon Père, nous sommes le premier témoignage, mon Dieu, mon roi. Sur le premier témoignage, oh Jésus-Christ. Les gens seront sauvés à cause de notre témoignage. Les gens seront sauvés parce qu'ils auront cru. Oh, l'éternel des armées, Papa, je refuse d'être un prédicateur, d'être un pécheur. La parole de ma vie, et ne pas te vivre dans ma vie, Jésus, je refuse ça, la Seigneur, pour mon roi. Je toucherai mon rêve sur toi, je vivrai mon rêve pour mon fils, parce que je ne peux plus comprendre ma soeur, c'est où tu es au vrai. Maintenant, je te dis, tu n'es pas ton rêve. Tu n'y fasses ce que tu veux, tu n'y fasses ce que ton cœur, puis c'est ce que je veux pour toi, puis c'est ce que je veux pour toi, la chasse est tout dedans aussi sur ta vie, et pas tout ce que je veux pour Jésus, approche-toi de Jésus, il est capable, tout est possible en lui, 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 le Seigneur s'est manifesté, le Seigneur s'est manifesté, il parle maintenant pour toi, que ce soit dans ton sainte, l'exhibition, que ce soit dans où tu es, oh Seigneur, soyez bien aimé. Ne soyez pas distrait, le Seigneur est en train d'agir. Je vois le mouvement des anges dans la salle. Il est en train de distribuer les choses à tout un chacun de nous. Le Seigneur te connaît. La Bible déclare qu'il connaît même les cheveux sur ta tête. Regarde les cheveux sur ta tête. Est-ce que tu peux compter? Est-ce que quelqu'un peut compter les cheveux sur ta tête? Mais j'ai Dieu le fait. Chaque matin, il connaît. Il sait. La Bible déclare qu'avant que tu ouvres la bouche, il savait déjà ce qu'il y a dans ton cœur. Il connaissait. Oh, ne sois pas distrait ce soir, mon bien-aimé. Le Seigneur est présent. Le Seigneur est là. Oh, Jésus, vous savez, je dis toujours ceci, j'aime beaucoup quand Psaume parle, il dit que pas à cause de moi, pas à cause de mon histoire, mais à cause de ton nom, pour donner gloire à ton nom. Vous savez, dans la mort, aucun de nous ne peut glorifier le nom de Jésus. Oh, dans la mort, nous ne pouvons pas élever son nom, c'est dans la vie. Et dans la vie, comment? Dans la gloire qu'il a réservée pour tout chacun de nous. C'est à ce moment précis que nous pouvons élever le Seigneur, chef des adorateurs. Ça ne lui sert à rien de te voir échouer. Ça lui fait mal de te voir te lamenter tous les jours. Le Seigneur, il te comprend. Ton cœur, il sait, il t'a formé. La cellule que de toutes les cellules de ton corps que tu as, il connaît. Ce n'est pas son dessein à lui de te voir échouer. Ne te trompe pas, mon bien-aimé. Jésus-Christ t'aime. Oh, merci. Merci Éternel pour ta présence. Merci parce que tu es là. Sois élevé, mon Dieu. Oh Jésus-Christ, qui est comme toi. Oh. Je demande à l'Éternel une chose. De qui aurais-je crainte? Oui. Je voudrais habiter toute ma vie.
vie dans la maison de Dieu. Oui, je demande à l'Éternel une chose. De qui aurais-je craint? Oui, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison. Oh Jésus! Oh Seigneur! Quelles sont les choses de ce monde, mon Dieu? Quelles sont les choses de ce monde, papa, qui veulent le salut? Quelles sont les choses de ce monde, papa, mon Dieu, mon roi, qui veulent la vie éternelle? Moi qui étais mort à cause des péchés, moi qui étais mort à cause de mes offenses, moi qui étais mort, Jésus-Christ, tu m'as donné la vie et tu inscris mon nom dans ton livre de vie, Seigneur, papa. Aujourd'hui, je suis sauvé, je suis libre, Seigneur, mon Dieu. Oh, éternel des armées. Merci, Seigneur. Oh Jésus-Christ, tu es le maître, tu es le Dieu des cieux, tu es capable, Seigneur. Qu'est-ce que la vie de ce monde? Qu'est-ce que l'argent de ce monde? Qu'est-ce que les femmes de ce monde? Seigneur, c'est toi qui m'as aimé. Oh Jésus-Christ, après cette vie, je rendrai un jour de ce que j'ai fait, de mes œuvres. Tu es le droit de chercher. Est-ce que je serai seul? Est-ce que je serai propre? Est-ce que je serai libre? Toi seul, papa. Voici pourquoi je dois veiller sur ma robe. Je dois veiller sur ma vie. Je dois veiller sur mon espoir. Oh, Seigneur, mon Dieu. Il y a des choses que tu es Dieu. Oh, Seigneur. Bien-aimé, la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas la vie des biens de ce monde. Nous avons été puissamment bénis lorsque papa a pu l'enseignement sur la spiritualité chrétienne. J'ai été beaucoup touché. Si tu vis seulement pour les biens de ce monde, tu seras déçu parce qu'un jour, tu quitteras ce monde. Tu laisseras ces choses. Tu laisseras ta belle voiture. Tu laisseras ta belle maison. Mon bien-aimé, regarde ton cœur. Qu'est-ce que tu chéris le plus? Est-ce que ce jour de ce monde, bien, c'est ton Dieu? Sache que si tu chéris le jour de ce monde, tu laisseras ces choses. Vous savez, lorsque nous venons dans ces lieux, c'est vrai, nous venons combattre pour les choses de ce monde. Mais souvenez-vous d'une chose, nous avons quelque chose de plus grand, le salut. Le salut, le salut que ni l'or ni l'argent de ce monde ne pourra payer. Soyez toujours fiers de cela. Amen. 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 Nous voulons maintenant rentrer, nous voulons maintenant combattre. Je sais que l'argent de vendredi est réservé pour le combat et délivrance. Nous passons par beaucoup de choses, beaucoup de difficultés. Et le Seigneur se pour donner la victoire. Il est bon de faire avec notre propre force. Mais après un moment donné, lorsque maintenant nous n'avons plus la force, laissons maintenant l'esprit prendre le dessus. Amen. Papa nous a dit ici que nous sommes des esprits. Voici comment nous tenons debout. La seule partie de notre corps qui touche le sol, c'est la pierre de notre pied. Mais le reste reste debout parce que nous sommes des esprits et nous sommes vivants. Les sorciers sont pas plus spirituels que toi et moi, mon bien-aimé. La sorcellerie, c'est la sorcellerie sur les yeux de la chair. Nous sommes même plus sorciers que les sorciers parce que nous pouvons opérer spirituellement. Et même, nous sommes plus puissants que ces gens parce que nous avons Jésus-Christ Nazareth. Oh, maintenant, vois ta situation. Je sais que tu es venu ici avec un fardeau, avec un problème particulier, avec quelque chose. Je te demande maintenant que là où tu es, dis maintenant à Jésus, lève-toi maintenant comme un homme. Lève-toi et prends maintenant autorité sur tout ce qui empêche. Qui t'empêche de rire, qui t'empêche de sourire, qui te vole le sourire dans ta vie. Lève-toi maintenant contre cet esprit qui embête ta famille, qui embête tes enfants. Lève-toi contre cet esprit qui t'empêche de te marier. Lève-toi contre cet esprit qui t'empêche de progresser au niveau des études. Lève-toi maintenant contre ces choses. Nous savons que nous sommes dans le monde spirituel. Et là où nous sommes, il y a des esprits partout. Et nous devons lutter contre ces choses. Tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, qui nous empêche de progresser dans notre vie. Prenons maintenant autorité et prions ensemble. Oh Jésus-Christ, Papa, nous nous levons, Seigneur, toi qui es Dieu. Nous levons, Jésus-Christ éternel. Nous venons maintenant prendre autorité, Seigneur Jésus. Nous venons, oh Dieu, lève-toi, Jésus. Lève-toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Viens maintenant prendre la première place. Viens maintenant combattre pour nous, oh Dieu, Père. Que tout esprit se lève contre nos vies. Que tout esprit se lève contre nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous cherchons quelque chose. Loin de nous, éternel des armées. Nous savons.
Tu vas prophétiser sur ta vie tous les ossements de ta vie, tout ce qui était mort dans ta vie. Le Seigneur te fait de toi maintenant un prophète. Il donne la possibilité de plaider pour toi, de parler pour ta propre vie. Tout ce qui était mort en toi, les études qui étaient mortes, tout ce qui était mort, les enfants, le ventre, les enfants, les femmes n'arrivent pas à enfanter aujourd'hui. Il y a un problème, mais Jésus-Christ te fait de toi un prophète. Parle maintenant. Pinpoint that situation. Regarde la situation qui est morte dans ta vie. Tu dis que c'est impossible, que tu ne peux plus y arriver. C'est cette chose dont je parle. Le Seigneur dit ce soir, il te devient un prophète. Parle maintenant ces autres choses de ta vie et prophétise la vie. Prions ensemble, bien-aimés. Oh Jésus, nous crions maintenant à toi, Seigneur. Papa, tout ce qui était mort dans ma vie, Esprit de Dieu, tout ce qui était mort, Seigneur, de mon grand-père, de mon histoire, dans ce qui est mort, Seigneur, dans ce qui ne fait plus que de mon grand-père. Lève-toi, Jésus. Lève-toi, Seigneur. Prends le père de mon corps, moi je le vois. Lève-toi la vie. Donne-moi la vie, Seigneur. Je prophétise sur mon histoire. Je prophétise sur mon pasteur. Je prophétise sur mon immigration. Je prophétise sur moi de mon Dieu. Je prophétise aussi sur mes enfants. Je prophétise sur la femme de mon père. Je prophétise, Seigneur. Lève-toi sur la part. Oh, Jésus, oh, Jésus, tu es le bon Dieu, tu es capable de servir.
tu es le même. Oh Seigneur, tu parles. Merci pour ta grâce. Merci pour le sang. Merci pour le pouvoir. Merci au Dieu. Merci toi, au Dieu. Même toi, ta voix. Qui est le poids? Qui est le temps, Jésus? Oh Seigneur, oh Jésus, Seigneur, tu parles. Tu es le poids. Parmi cette prière, là où tu as été fermé, là où tu étais impossible. Mon ami, le religieux ne peut plus. Oh papa, les gens appelleront. Le miracle va se faire. Le miracle va se faire maintenant. Le miracle va se faire maintenant. À cause de ton nom. Oh Seigneur Jésus-Christ. Papa, tu vas te faire. Oh Jésus. Éternel, tu es Dieu. La Bible déclare que tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Si tu crois, ce soir, tu vas partir avec quelque chose. Je ne suis pas là pour te faire plaisir. Je ne suis pas là pour te réconforter. Vous savez, la parole que nous libérons ici, ce n'est pas pour vous réconforter qui que ce soit. Cette parole est vérité et vie. Elle est au-dessus des règles de ce monde. Jésus est capable. Jésus reste le même. Nous aurons ici, dans bientôt, l'opportunité de partager des témoignages et tu sauras combien de fois le Dieu, ce Dieu-là agit dans la vie de tout un chacun ici. Amen. Alléluia. Oh Jésus-Christ, merci. Merci Père pour les victoires. Merci Père pour la vie. Merci parce que Seigneur, nous savons, oh Dieu, que tu restes le même, que tu ne changes pas, Jésus-Christ. Jésus, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui siège dans les cieux, celui qui nous connaît tel que nous sommes, Seigneur mon Dieu, qui est comme toi, éternel. Nous allons prier pour ce ministère. Nous allons prier pour tout, afin que le Seigneur puisse susciter ses enfants, afin qu'ils puissent venir jouer de la musique. Vous voyez, souvent nous avons des difficultés avec la sonorisation. Nous avons besoin des gens dans ce ministère. Le Seigneur envoie les gens afin qu'ils puissent être bénis, afin qu'ils puissent recevoir, afin qu'ils puissent tous œuvrer ensemble. Amen. Prions ensemble. Éternel des armées, toi qui es Dieu. Nous te prions, Papa, pour le ministère Beria et Beria Ministry. Nous te prions pour Beria Initiative. Nous te prions, oh Dieu, Père, pour tous ces hommes, oh Dieu, Père, qui donnent leur temps, leur argent, oh Dieu, Père, leur énergie. Tous les soirs, c'est de mon Dieu, mon Père. Tous ces soeurs, oh Père, qui défendent la salle, oh Papa. Tous ces gens, Seigneur, oh Dieu, Père, qui passent au la sonorisation. Oh Dieu, te prions, l'Éternel. Nous te prions, Jésus, toi qui es Dieu. Oh Papa, envoie les serviteurs. Seigneur, je me rappelle, j'étais au Père en bas. Tu m'as amené ici, je ne connaissais pas le pasteur Louis, je ne connaissais pas aucun le groupe de ministère derrière ministre. Tu m'as amené plus au Père Omar, Seigneur, depuis le sud des États-Unis, le fin fond des États-Unis, Seigneur, j'ai connu 20 heures sous la neige. Tu m'as amené ici parce que tu savais mon amour au Père, ce que tu voulais faire avec moi dans ces lieux. Oh Jésus-Christ, de la même façon, Seigneur, suscite tes enfants, Seigneur, afin que tu ne prends pas, oh Dieu Père, à cette œuvre merveilleuse. Avec le poisson de mon roi. Oh Jésus-Christ, toi qui es Dieu, Jésus-Christ, rien que toi. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Jésus. Suscite les ministres, mon Seigneur. Suscite, oh Dieu Père. Papa, nous te mettons aux ailes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et encore tes enfants. Ramène, oh Dieu, papa, celui qui s'est égaré. Seigneur, à ton raison, Seigneur. Ramène le frère Philippe. Ramène le frère Seigneur. Ramène le frère Hervé. Ramène mes soeurs, oh papa, mon Dieu, mon roi. La sœur Carole, tous ces gens qui vont repérer, tous les difficultés pour venir dans ces lieux. Le frère Guy, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous te prions, Jésus. Papa, tu es Dieu. Suspend les ministres, mon Dieu, mon Dieu. Suspend les ministres, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu es Dieu, Éternel des cieux. Tu es Dieu, Jésus. Merci, Père, pour la grâce. Merci, Seigneur, parce que tu nous as aimés de ce que tu es Dieu. Qui est comme toi, Éternel des armées. Oh, Jésus-Christ, merci. Merci, mon Dieu, mon roi. Oh, Jésus-Christ, tu es Dieu. Oh, Jésus. Dans ce même nom, mon bien-aimé, ne perds pas l'inspiration. Nous allons toujours plus encore prier afin que le Seigneur encore puisse nous donner la force. Certainement, beaucoup d'entre nous sont affaiblis à cause des choses de ce monde, mais que le Seigneur nous redit encore la force, qu'il nous vivifie encore, qu'il nous aide à persévérer. Je veux déclarer que ce n'est pas celui qui fait, ce n'est pas celui qui commence, c'est la fin qui est portée le plus important. Tu peux être tombé au milieu, mais la fin est plus importante. Lève-toi là où tu es, que le Seigneur donne la force, qu'il te fortifie dans ton âme, dans ton corps, dans ton esprit, afin que tu puisses toujours œuvrer pour lui, pour son œuvre. Chaque jour, que tu ne te fatigues pas à te connecter là où tu es, à prendre du temps dans la prière. Amen. Prions ensemble. Ô Éternel des armées, donne-nous la force, Jésus-Christ. Donne-nous la force, Papa. Ne nous permets pas que nous puissions être au Père, plus éloignés de toi. À cause, Seigneur, mon Dieu, mon Père,
les choses de ce monde. À cause, Seigneur, mon Dieu, mon repère, des voitures de la vie de ce monde, Seigneur. Aide-nous, Jésus-Christ, au Père. Donne-nous la force, Seigneur, mon Dieu, mon repère. De venir dans ta maison, de prier, de prier pour toi. Nous sommes faibles, Seigneur, mon Dieu, mon repère. Notre sel s'achève, notre vie chancelle, mon Dieu, mon repère. Souvent, mon Dieu, nous sommes réparés par les œuvres de ce monde. Mais donne-nous la force, au Père. Soutiens notre foi. Soutiens-nous, Jésus. Nous sommes des hommes. Soutiens-nous, Jésus. Soutiens-nous l'éternel, ramène-nous à toi, Seigneur, le mieux. Ramène-nous à toi, Seigneur. Nous voulons, au Père, que tu puisses nous aider. Aide-nous, l'éternel. Aide-nous, Seigneur. Soutiens-nous. Soutiens-nous, Jésus. Soutiens-nous, l'éternel, les armées. Soutiens-nous, l'éternel. Oh, Jésus. Oh, l'éternel. Viens nous soutenir. Viens nous secourir. Viens nous prêter main forte. Donne-nous la force, au Père. Tous les soirs, tous les jours. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Pardonne la faiblesse de ma chair. Pardonne la faiblesse du corps. Pardonne notre faiblesse, Seigneur, mon Dieu. Je t'en supplie, éternel. Donne-nous ce même zèle, au Dieu, Père. Que nous puissions faire éclater au milieu des hommes. Que nous puissions faire éclater au milieu. Oh, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Donne-nous ta force, Seigneur. Soutiens mon frère et ma soeur. Qui est connecté maintenant en ligne. Qui suit maintenant ce moment. Soutiens-le là où il est. Soutiens-le, Jésus-Christ, afin qu'il puisse continuer la prière. Oh, Jésus-Christ, Papa, soutiens-le, Jésus. Prends-nous dans tes bras, prends-nous dans tes mains, Seigneur. Soutiens notre foi, Seigneur. Soutiens-nous, Jésus-Christ. Il n'y a que toi, éternel des armées. Tu es le même. Tu es le même, Jésus-Christ. Oh, Jésus. Fils de la vie, recherché de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Fils de la vie, Fils de la vie, recherché de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Ô Fils de la vie, Fils de la vie, rechercher de ton âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Oui, envoie, Seigneur, dans mon secret, ma foi. Oh Jésus, il peut te secourir, il peut te fortifier. Oh Dieu, approche-toi de lui, approche-toi de lui, approche-toi de lui. Jésus t'appelle ce soir. Lui, il y a pas d'espoir pour toi. Lui, il y a pas d'estime pour toi. Lui, il y a des choses pour toi. Ne raconte pas au du luxe. Ne mette pas au nom de chance sur ce monde. Regarde à Jésus qui nous arrête. Regarde à lui. Il est capable de changer ton histoire. Il est capable de changer ta vie. Il est capable de donner de nos chances. Lève-toi. Lève les yeux. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Sois fortifié ce soir, mon frère et ma soeur. Tu es capable. Tu es capable encore. Avec lui, c'est possible. Avec lui, c'est possible. Avec lui, c'est possible. Oh, éternel, tu es le même. Tu es le même. Nous te rendons la gloire. Disons merci, Seigneur. Oh, Jésus, sois élevé. Oh, Jésus-Christ, tu es Dieu, merci. Oh Seigneur, sois élevé. Seigneur, nous allons maintenant reconnaître la parole entre tes mains. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ton peuple attend un message, un espoir, quelque chose. Aide-nous encore ce soir, mon Dieu, à travers la parole. La Bible déclare que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de ta parole, Seigneur. Que cette parole puisse encore rebousser notre foi, Seigneur. Afin que nous puissions que nous lever, Seigneur, et combattre. Continuer ce combat de la vie jusqu'à la paix, jusqu'à la fin, jusqu'à la réussite. Jusqu'à ce que tu aies nous chercher, Jésus. Oh Dieu Père, merci de ce que tu as promis que tu ne laisseras pas orphelin. Tu enverras ton Saint-Esprit.
Et ton Saint-Esprit sera toujours là, Seigneur mon Dieu, pour nous rappeler que oui, nous sommes tes enfants. Nous avons été scellés par ton sceau. Et que toujours, papa, nous pouvons crier vers toi. Je vois la lumière maintenant, oh Dieu Père, jaillir. Je sais que tu es Dieu. Je sais que tu vas encore parler. Sois élevé, sois béni ce soir. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour le nom. Au nom de Jésus. Sous vos acclamations, nous allons maintenant accueillir le pasteur Louis. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Acclame bien, acclame bien. Acclame bien, acclame bien. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te soit favorable ce soir. May he be in your favor tonight. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Dis amen. Say amen. Viens avec. Come with. Avec l'espoir de recevoir quelque chose. With the hope to receive something. Jésus est vivant. Jesus is alive. Dis amen. Say amen. Jésus-Christ est vivant. Jesus Christ is alive. Comme le frère vient de le dire, as the brothers just say, le Seigneur est en train d'agir. The Lord is continuing to act. Certainement, certainly, ce soir encore, tonight again, il y a des gens qui témoignent. There are people that are testifying de la grâce de Dieu, of the grace of the Lord, de la puissance de Dieu, of the power of God, de la bonté de Dieu, of the wonder of God. Pourquoi pas toi? Why not you? Ne peut-il pas aspirer à faire partie de ceux qui témoignent de la grâce de Dieu? Why can't you aspire to be the one that testifies the grace of God? Si tu as besoin d'un miracle ce soir, if you need a miracle tonight, le Dieu des miracles est là. The God of miracles is here. Qu'il te visite au nom de Jésus. May he visit you in the name of Jesus. Alléluia. Amen. Je dis, si tu as besoin d'une intervention surnaturelle, if you need help that is supernatural, si tu as un cœur qui bouillonne de tristesse, if you have a heart that is vibrating of the sadness, si tu as une situation qui te terrorise, if you have a situation that is making you sad, si tu es inconfortable quelque part dans ta vie, if you are uncomfortable somewhere in your life, il y a quelqu'un qui a fait appel, there is someone that has done a call, il dit, venez à moi, he said, come to me. All the people that have the burden. Aucun prophète ne peut le faire. None of the prophet could have done it. Aucun homme ne peut le faire. None of the men could have Mais done il a dit it. Tous. But he said all of them. Vous tous. You are. Parce qu'il a des capacités. Because limitées. He has the capacity. That is, there's no limitation. Il a des capacités. He has the capacity. À porter le fardeau. To carry the burden. De toute l'humanité. Of all the humanity. Parce que c'est lui le créateur. Because he parce que c'est lui le pourvoyeur. Ses moyens sont illimités. Son nom est Jésus. His name is Jesus. Ce soir, je voudrais que tu croies encore en lui. Que tu places encore sur lui. Ton espérance est bien aimée. And your hope, il est capable. He is capable. Crois qu'il est capable. You have to believe that he is capable. Crois qu'il est capable. You have to believe that he is capable. Je voudrais que tu fasses un and seul geste. I want you to make a gesture. Avant que je commence à parler, as I was speaking, parle au Seigneur. Speak to the Lord. Lève seulement ta main droite. Just raise your right hand. Lorsque tu lèves ta main droite, raise your right hand. Fais ça avec foi. Do it with faith. Au Dieu des miracles. God of the miracles. Au Seigneur de l'impossible. The God that makes all possible. Lève vers lui. Raise it towards ta main droite. Your right hand. Et parle ta main droite. Raise your right hand. Commence à dire, Seigneur, voici le problème. And start saying, oh Lord, here are the problems. Qu'il te soit favorable ce soir. May he be in your favor tonight. Même dans ta maison. Even in your house. Partout où tu nous reçois. Everywhere you fais ce geste de foi. Make that gesture. Fais ce geste de foi. Make that gesture of faith. Élève ce problème devant lui. Raise this problem in front of him. Le Dieu tout-puissant. The God that is powerful. Le Dieu tout-puissant. The Almighty God. Le Dieu tout-puissant. Son nom est Jésus. His name is Jesus. Ses yeux voient, bien-aimé. His eyes see, my beloved. Sa main est agissante. And his hands are sa gloire est permanente. And his
sa puissance sillonne toute l'humanité. Et qu'elle te touche ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Partout où tu es, reçois le miracle de ce soir. Reçois la grâce de ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu es malade, reçois la guérison. Au nom de Jésus. Que la guérison pénètre ton corps. Traverse tous tes membres. Ravitalise tes organes. Au nom de Jésus. Que la délivrance s'opère. Et que le nom de Jésus soit glorifié. Et que le nom de Jésus soit célébré. Que par toi, on célèbre Jésus. Que par toi, nous célèbre Jésus. Le Dieu vivant et véritable. Il veut quand même te lever avec ton problème. Et c'est lui qui solutionne tout. Tu apportes une solution ce soir. Seigneur, nous donnons gloire à ton nom. Car ton appel est clair. Matthieu chapitre 11, verset 28. Tu dis, venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai les réponses. Alléluia, Amen. Alléluia. Qui est celui qui donne les vrais réponses? Qui est celui qui donne les vrais soulagements? Qui est celui qui donne la vraie guérison? Je lis la Bible, Seigneur. Tu n'as jamais tâtonné. Qui donne les réponses exactes. Car tu es omniscient. Je donne gloire à ton nom. Dans la vie de mon bien-aimé. Je donne gloire à ton nom. Dans les problèmes de mon frère. Je donne gloire à ton nom. Dans les problèmes de ma soeur. Je donne gloire à ton nom. Dans les problèmes du nom de la famille. Jésus reçoit la gloire. À ton nom soit la gloire. Le Seigneur de toutes les solutions. Le Dieu des miracles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu crois, dis Amen. Dis un bon Amen. Un Amen qui exprime ta foi. C'est pas le cet Amen de l'enfance que tu crois. Le Seigneur de toutes les ah, qui est comme notre Seigneur? Oh, who is like our Lord? Magnifique en sainteté. Redoutable en puissance. Nobody is capable to him. Nous allons encore découvrir ses œuvres bien-aimées. Nous sommes dans le livre d'Exode. We are in the book of Exodus. Exodus. Exode chapitre 8. Chapter 8. Que le Seigneur bénisse les frères qui nous ont conduits dans la prière. May the Lord bless the brother that brought us into the prayer. Et que l'onction de Dieu continue à être sur lui. Continue to be on top of him. Et qu'il s'améliore davantage. He can progress more. Et que sa grâce en lui soit illimitée. So his grace can be there's no limitation to his grace in the name of Jesus. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre des Exodes. We are in the book of Exodus. Exode chapitre 8. Chapter 8. Nous allons commencer au 16e verset. And we're going to start from the verse 16. Amen. Amen. Vous y êtes? Are you here? Vous pouvez vous lever pour la lecture please de la parole de Dieu. Please stand up so we can read the word of God. Nous allons lire ensemble. We're going to read together, right? Tu vas lire dans ta version. You're going to read in your version. À haute voix. Loudly. Can we go together? Allons-y, Exode chapitre 8. Chapter 8. Nous commençons au 16e verset. And we're going to start from the verse 16. Si tu es en ligne, prends le verset. If you are online, take the verse. Fais le culte avec nous. And do the service with us. Permets toi-même que la grâce de Dieu
t'atteigne là où tu es. Allow yourself so the grace of God can reach you where you are. Ne sois pas un spectateur. Do not be an audience. Tu n'es pas devant une émission. You are not in front of a mission. Tu es en plein culte. But you are in a service. Un miracle peut se passer dans ta vie. A miracle can happen in your life. Lorsqu'on parle de la parole de Dieu, when we are speaking of the word of God, c'est Dieu lui-même qui est en action. It's God himself that is in action. Pendant l'annonce de la parole de Dieu, during the announcement of the word of God, l'onction de la parole de Dieu, of the word of God, peut accomplir des choses merveilleuses dans ta vie. Wonderful things in your lorsqu'on life. Prêche, when we are preaching, la délivrance peut se faire. Lorsqu'on délivre la parole de Dieu, la guérison peut se faire. Lorsque la parole de Dieu sort, when the word of God is coming out, c'est imprédictible. It's not predictable. Tu ne peux pas prédire ce que ça peut faire. You cannot predict what. Mais seulement reste connecté. Just remain connected. Que la voix de la parole de Dieu, the glory of God, t'affecte au nom de Jésus. In fact, you in the name of Alléluia. Jesus. Si tu crois que c'est que tu vas lire, if you believe that la parole de Dieu, the one that you're gonna read, crois que tu es connecté à la voix de Dieu lui-même. Tu n'es pas connecté à un homme. You are not connected to a man. Connecte-toi à l'esprit qui a inspiré cette parole. That word. Et que cette inspiration, la force de cette inspiration, fasse quelque chose dans ta vie. C'est l'attitude que nous prenons chaque fois que nous mettons devant la parole de Dieu. Parce que ça, ce n'est pas un journal. Ça, ce n'est pas un simple livre. Nous savons que la révélation de la parole de Dieu est contenue dans ses écrits. Et à chaque fois que nous ouvrons la parole de Dieu, quelque chose peut se passer. Et nous nous disposons à ce que cette parole nous affecte. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi lève-toi. Et lis avec nous. Can we go together? Alléluia. Amen. Go. Go. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer à mon contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront détruites et le sol en sera couvert. 18. Mais tu es en général, 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 tu es 19. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Praise the Lord. Oh, alléluia. Amen. Acclame le bien. Nous sommes dans l'Ancien Testament. We are in the Old Testament. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes dans l'Ancien Testament. We are in the Old Testament. Le merveille de Jéhovah. The wonder of Jehovah. The wonders of Jehovah. Amen. Alléluia. Amen. C'est en Égypte. It is in Egypt. Moïse apparaît devant Pharaon. He appeared in front of Pharaoh. Pour la délivrance des Israélites. For the deliverance of Israelites. Vous connaissez ça. And you know this one. Amen. Amen. Vous connaissez cette histoire. You know this story. Mais je voulais te faire observer quelque chose ici. But I want you to observe something here. Pour aiguiser ta foi. So we can make your faith sharp. Your faith sharp. Your sharp faith. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons aiguiser ta foi. We want to sharp your faith. Écoutez, listen, chaque fois, every time, lorsque les problèmes se pointent dans ta vie, when the problems appear in your life, parce que dans la vie ici-bas, avec cette chair, with that flesh, le diable essaie de nous effrayer. The devil tried to scare us.
des problèmes divers. By the problems. Et ça n'est pas and it depends d'un endroit à un autre, of the place to the other d'une one, personne à une autre, from another person to the other d'un moment one, à l'autre. From a time to another time. Pendant que toi, and during the time you, tu souffres peut-être d'une crise financière, are suffering because of the finance, il y en a quelque part, there is somewhere, quelqu'un qui souffre, someone that is suffering, mais pas d'une crise financière, not because of the finance, peut-être d'une crise d'amour, because of affection. Love, affection. C'est un problème. This is a problem. Il est même prêt à se suicider. And he is ready to even kill himself à cause de cette crise because of that specific problem. Lui, him, ne souffre pas de l'hépatite. He's not suffering for. Il ne souffre pas de cancer. He's not suffering from the cancer. Sa maladie, his sickness, c'est une maladie émotionnelle. He, it is a sickness of sentimentale. That is feeling. Il peut dire que c'est rien. You can say it's nothing. Et il est prêt à mourir. But pour he ça. Is ready to die for. Il n'y a pas de mal moindre. There is nothing that is bad. Tout ce qui fait mal. Everything that est mal. Hurts, it's bad. Et le diable tourmente le corps. And the devil continue to tourmente le body, corps. To continue to go for the body. Parce que si de nous, remember, le corps the est poussière. He is a dust. Et a, le diable the devil, a été donné comme nourriture. The body was given to the devil as the food. Dieu a donné. God. Au diable, give it to the devil comme nourriture, as a food, la poussière, the dust. C'est pourquoi, and that's why, si tu accordes beaucoup d'importance à la poussière que tu portes, if you continue to give the importance to the dust, tu risques de rater, you might miss la vision de Dieu pour toi, the vision of God for you. Mais, but, pendant que nous portons cette tente, during the time that we are continuing to carry it, de poussière, of the dust, the dust. Dieu God, se révèle à nous. He revealed himself to us. Pour que, so, étant éclairé, as he can clear, étant nous, étant éclairé, as the clear, de ses objectifs, of his goal, pendant le peu de temps que nous portons cette poussière, during the little time that we continue to carry that, Dieu nous donne la victoire. God will give us the victory. Ce n'est pas pour que nous puissions bien nous sentir. It's not because he wants us to feel good. C'est pour que so, nous puissions avoir les possibilités we have the possibility d'avancer to move forward dans les objectifs in the goal que Dieu s'est assigné pour nous. That God has done it for je veux us. Que tu le mettes dans ta tête. I want you to put it in si your Dieu head, peut te guérir de ta maladie, God can make you feel better. Ce n'est pas parce qu'il veut que tu te sentes it's mieux seulement. He wants you to feel better. Mais pour qu'on traverse cela, que tu aies so you can la possibilité de faire œuvre de Dieu, d'atteindre les objectifs de Dieu. Si Dieu te visite financièrement, ce n'est pas pour que toi tu sois à l'aise et que tu commences à bien manger et à bien te rassasier, à bien te vêtir. Ce n'est pas ça le but de Dieu. Parce que quand tu manges bien, c'est toujours la poussière. Même lorsque tu t'habilles bien, c'est toujours la poussière. Mais étape à la poussière, tu dois connaître les objectifs de ta présence ici, les objectifs de Dieu pour toi. Dis amen. Say amen. Et pour cela, and listen to this one. Pour cela, and for this one, le Seigneur opère des choses. The Lord are operating things pendant notre vie ici, during the time that we are here, afin de nous permettre, so he can allow us d'accomplir ses to objectifs. Accomplish his goal. Que sa gloire so se révèle à nous. He can reveal et que ses œuvres so se manifestent au travers de nous. Quand quelqu'un dit amen. I want somebody to say amen. Alléluia. Amen. Ici nous sommes en Égypte. Here we are in Egypt. Le Seigneur vient. The Lord comes. Il a commencé par opérer. And then he started operating. Certains signes. Certain signs. Il opérait ses signes. He started operating his signs. Pour so, donner. So he can give la révélation. The revelation. De lui-même. Of himself. Premièrement. First of all. Aux enfants d'Israël. The children of Israel. Qui était son peuple. They were his people. Mais qui ne les connaissait pas. But they didn't know who he is. Il
ne les connaissaient pas. Pourquoi? Know him why? Parce que, because, souvenez-vous, remember, Jacob est venu s'installer en Égypte. He came to install himself in Egypt. Par le canal de Joseph. Through Joseph. N'est-ce pas? Right. Et ils ont séjourné en Égypte. And then, par Joseph. And they remained in Egypt by Joseph. Ce n'était pas là. It's not there. Qu'il devait demeurer pour toujours. That he has to remain forever. Jacob, Jacob, avec les 12, with all the 12 de ses fils, of his sons, ils sont installés, they installed themselves à Goshen. In Goshen. La terre, the earth, que Joseph, that Joseph a demandé au pharaon, afin que sa famille habite. His family can remain there. Amen. Say amen. Lorsque Jacob est mort, and when Jacob died, les 12, the 12 sont morts. They died. Il n'y avait pas des écritures. There was notes written. On a enseigné les dieux tout-puissants, the God Almighty, aux enfants qui naissaient, to the children that were born, des générations à générations. From generation to the generation. Mais ce peuple-là s'est multiplié au point que to the point that ils se sont aussi brassés. They are ils se sont aussi connectés avec d'autres peuples. Ils n'avaient pas eu le temps de pouvoir célébrer Jéhovah. Au point que, à un certain moment, Jéhovah était devenu une histoire pour eux. Ils avaient seulement une information. Le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, et de Jacob, c'est l'information qu'ils avaient. Mais ils ne les connaissaient pas. N'est-ce pas? Right. C'est pourquoi Moïse pouvait poser that's la question right. à lui. Tu m'envoies vers les enfants d'Israël. S'il me demande quel Dieu qui m'a apparu, comment est-ce que je dois te présenter? Je dis, tu diras le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est une information. Une histoire qu'ils ont connue, que leurs ancêtres leur ont raconté au fil du temps. Mais à l'époque de Moïse, Moses, ils n'ont pas vu les merveilles de Dieu. Ils n'ont pas vu la puissance de Dieu. Ils n'ont pas connu les miracles de Dieu. Ils n'ont pas vu le Dieu qui a béni Abraham. Le Dieu God qui a donné Isaac à Abraham à l'âge de 100 ans. Abraham, age of 50. Ils n'ont pas vu le Dieu de Jacob, the God of Jacob qui l'a rencontré, qui l'a rencontré quelque part somewhere où where on appelle Bethel. We call Bethel. Le Dieu de Bethel. The God of Bethel. Là où where Jacob, Jacob a vu les chefs avec les anges qui descendaient pour lui. Ils n'ont pas vu le Dieu d'Isaac. Ils ont seulement entendu parler. Ils ont seulement fait quoi? Entendu parler. Et la coupissante dans l'esclavagisme. Il me dit, qui est ce Dieu-là? Et regarde comment est-ce que nous nous sommes. À un certain moment, Dieu est apparu maintenant. And God appeared now. Il fait face à des réalités. And they are facing two realities. Dieu God fait face à des réalités. God facing two realities. Il doit se faire révéler he has to reveal auprès himself de son propre peuple. And next to his own people. Il y a des gens qui viennent à l'église that comes to church, mais ils ne connaissent pas Jésus. They don't know Jesus. Ils ont l'information de they Jésus. Have the information mais of ils n'ont pas encore vécu la gloire de Jésus. Bien-aimé, peut-être que c'est ton cas. Depuis que tu es devenu chrétien, tu n'as pas encore vu la gloire de Jésus. Mais je voulais que tu sois rassuré que Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus n'est pas au passé. Il n'est pas une histoire. Jésus est vivant. Alléluia. Il agit jusqu'aujourd'hui.
chemin là. He's going to go to that way. Il ira au fleuve. He will go to the path. Le fleuve. He will go to the river. The river. Toi. You. Poste-toi dans les chemins. Bless yourself. Là où Pharaon va passer. Where Pharaoh will go. Il dit là. And he said here. Tu vas dire à Pharaon. You're going to say to Pharaoh. Il doit arrêter son côté. You have to stop with his. Et tu dois parler à Pharaon. You have to speak to Pharaoh. Tu lui diras ceci. And you will say to him. Écoute Pharaon. Si tu ne laisses pas partir mon peuple, je vais faire ainsi. I'm gonna do something. Moi, l'Éternel, Lord, je vais envoyer. I'm gonna send. Dans la version de 5 ans, on a dit, je vais lâcher les mouches venimées. The Alléluia. Amen. Dieu a une réserve. God has a reserve. Des mouches. Of the mosquitoes that are very dangerous. Il sait là où il les a cachés. He knows where he hides them. À n'importe quel moment. Any type of moment. Il va faire seulement comme ça. And he's just gonna do this one. Elles vont sortir. And then the mosquito will come out. Bien-aimé. My beloved. Ton Dieu. Your God. Commande. He commands. Même les fourmis. Even the little commande. Even même les virus. Even the virus. Quel que soit son nom. Ton Dieu peut ordonner au corona. Ton Dieu peut ordonner à Ebola. Ton Dieu peut ordonner même aux animaux qui sont dans la forêt, même aux serpents, même aux poux qui rongent les têtes. Alléluia. Imagine ça. Ce n'est pas qu'on doit appuyer. C'est un mouton que les gens connaissent. C'est comme si on appuie à un interrupteur pour que la lumière apparaisse. Mais écoute, il dit, je vais lâcher les moustiques. Je vais lâcher les mouches. Ils sont venimés. Je vais lâcher sur toi. Sur tes hauts fonctionnaires. Même sur tout ton peuple. Il dit, mais cette fois-ci, but this time, il y aura une exception. It will be an exception. Alléluia. Amen. Je vais distinguer mon peuple my people de ton peuple. Your people. Le Dieu de distinction. God of distinction. Dis le Dieu de distinction. Say the God of distinction. Alléluia. Amen. Le Dieu de distinction. Say the God of distinction. Que mon Dieu te distingue ce soir. Dieu a voulu que la distinction soit nette. God wanted the distinguished to be net. Ça a été toujours les soucis de Dieu. And it always been his. Que tu ne sois pas dans les bains de tout le monde. You cannot be in all the people's same area. I'm telling to somebody. Que ça a été toujours les soucis du Père. It's always been his worry. Que tu sois toujours distingué. So you can be distinguished. Dis, je distinguerai. Say, I will distinguish. Je vais distinguer. Que mon Dieu te distingue au nom de Jésus. Dans tes études, que mon Dieu te distingue au nom de Jésus. Dans tes business, que mon Dieu te distingue au nom de Jésus. Dans ta santé, dans tes entreprises, dans ta famille, que le Seigneur te distingue au nom de Jésus. Il a dit maintenant, à ces jours-là, je vais t'épargner. Goshen. 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 Les mouches n'y arriveront pas. And the mosquito will not go there. Laisse-moi te dire. And let me tell you this one. Dieu peut mettre une fontaine. And God, he can pull a little fountain. Il peut mettre quoi? He can do what? Une fontaine. He can pull a fountain. Il donne de l'intelligence. He gave intelligence. À ces mouches. To the mosquito. De ne pas affranchir là-bas. To not get to that place over there. Ton Dieu. Your God. Peut donner des ordres. He can give orders. Aux calamités. To the things. De ne pas te toucher. To not impact you. Mon Dieu. My God. Peut te donner des ordres. He can give you no orders. À la crise. To the problem. À la crise. To the crisis. De ne pas te toucher. So they cannot touch you. Même quand les gens pleurent. Even when people ils perdent crying, des emplois. They are losing ils sont dans le désespoir. La crise financière s'en va. Et que le monde entier commence à trembler. Dieu a toujours des ordres.
à donner pour favoriser ses enfants. J'aimerais élever Dieu ce soir dans ta vie, comme le Seigneur qui crée les distinctions, qu'il te distingue au nom de Jésus. Lorsque vous lisez ceci, il dit au verset 18, mais à ce jour-là, où j'enverrai les mouches, je distinguerai le pays des grosses. Où habite mon peuple? Where my people live? Et là. And over there. Et là. And there. Dis là. Say here. Là. Say here. Dans ma maison. In my house. Dans ma maison. In my house. Dans mes entreprises. In my business. Dans mon corps. In my body. Dans mes études. In my study. Dans ma famille. In my family. Là. Here. Il n'y aura point de mouches. There will not have the mosquito there. Écoutez. Ça, ce sont des choses qu'on a rapportées. Those things actually happened. Ces choses-là ont été vraiment arrivées. Amen. Amen. Ce ne sont pas des contes de fées. And these are not the stories that were Alléluia. Created. Amen. Ce ne sont pas des contes de fées. These are not the myths. Dieu. God. À Paris. He appeared. Sur cette terre. On that earth. Pour révéler. To reveal. Ses vraies caractéristiques. His true characteristics. Pour que. So. Nous qui croyons. Puissions voir. We can have. Un témoignage. A testimony. Et disent notre foi pour que nous puissions comprendre so we can les capacités de notre Dieu. Mon Dieu peut me distinguer. Mon Dieu peut me parler. Lorsque les choses frappent le monde, Dieu a toujours un réserve. Les personnes qui restent intactes. Amen. Amen. Puisses-tu faire partie de cela? Can you be among these people? Ce n'est pas quand une épidémie frappe. It's not when the pandemic starts happening. Comme les gens disent que chaque saison. People say every season. Moi, j'ai toujours eu les foi. I always have the. Moi, j'ai toujours eu. I always have les grippes. The cold. Et il faut parfois se retrouver. And sometimes you have to. Parmi les gens. Among the one. Qui ne sont pas impactés. They are not impacted. Dieu. God. Donne des ordres. He gives au virus, to the virus, aux bactéries, into the bacteria, aux microbes, into the microbes, aux animaux, into the animals, à ceux qu'on voit et à ceux qu'on ne voit pas, de ne pas toucher à son corps. Je vous ai dit ici, here, un jour, Job s'est protégé. Le diable le savait. Et il a dit ça à Dieu. Il a protégé. C'est-à-dire que même moi, j'ai tenté. Je n'ai pas pu. Parce que l'omnipotent, omnipotent, omnipotent, l'omnipotent, alléluia, le très haut, le tout puissant, protégeait Job. Alléluia. Amen. Et lorsque l'Éternel a permis, c'est alors que le diable a eu accès. Aussi longtemps que Dieu est vivant, je déclare, reçois la protection de Dieu, reçois la distinction de Dieu, reçois la distinction de Dieu, que 1000 tombent à ton côté, que 10,000 tombent à ta droite, tu ne seras pas à terre, dis je ne serai pas à terre, dis je ne serai pas impacté, dis je serai toujours distingué. C'est pourquoi ne fuis pas Dieu. Sois toujours compté. Compté parmi ceux qui sont en Jésus. Il dit là-bas. And then he said, over there, le mouche n'a pas the mosquito will not get there. On a donné aux mouches. And then he gave to the mosquito le GPS. The GPS. De savoir où. To know where. Il faut partir. Where to go. Et où. And where. Il ne faut pas partir. Not to go as well. Même les mouches. But even the mosquito. On récit les autres. We see the order, ils sont disciplinés. Aucune mouche. None of the mosquitoes. Aucune. None of them. N'a pu. Désobéir. To disobey it. Aux ordres du Seigneur. To the order. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et jusqu'aujourd'hui. And to the point now. Notre Père. Our Father. Continue. He continues. À gouverner les mondes. To take care of the world. Parce que la création. Because the creation belongs to heaven. La Bible commence par cette majeure phrase. By this phrase. Que j'aime.
au commencement. The beginning. Dieu créa. God created. C'est-à-dire. Meaning. Dieu. God. S'est présenté dans la Bible. He presented himself in the Bible. Comme le créateur. As the creator. Des cieux. Of the heaven. Et de la terre. And the earth. He is the owner. Il est le propriétaire that belongs to des cieux of the heaven et de la terre. And c'est sa propriété intellectuelle. And that belongs to him. Il les protège. And he protected. C'est lui qui va essayer. And the one that il se plagia. Dieu God est le propriétaire he is the owner des cieux of the heaven et de la terre. And the earth. La Bible commence par cette phrase. C'est celui qui créa ça. The one that created, ça lui appartient. It belongs to him. Et comme ça lui appartient. It belongs to him. Il connaît les secrets des saisons. The secret of the season. Il connaît les secrets des temps. Il sait comment les manipuler. En faveur de ceux qui l'aiment. Ce soir. Tonight, croix. You have to believe. Si tu es enfant de Dieu. Que Dieu est capable de distinguer. Et que cela devienne une réalité. So he can become the reality in your mon bien-aimé, il est temps maintenant que cette distinction apparaisse physiquement. J'ai dit quelque chose. Que cette distinction apparaisse visiblement afin que ta foi soit fortifiée. Afin que ta foi soit fortifiée. Et quelqu'un a crié ici. Que Dieu n'est pas une vie de slogan. La vie chrétienne n'est pas une vie de slogan. Parce que ton Dieu est celui qui établit la différence. Qui établit la différence. Et toi là où tu es. Le Seigneur distingue-moi. Si tu as peur des maladies, le Seigneur distingue-moi. Ask if you're afraid of the sickness. Pendant anyone, cette pandémie, je sais que Dieu est en train de distinguer les siens. I know that people, God is distinguished. Ton Dieu est capable de donner des ordres. Your God is capable to give orders. Afin que tu ne sois pas atteint. So you cannot be affected. Si c'est un problème, if it's a problem, d'immigration, of the immigration, pendant qu'on vote les lois. During the time they are important, the Lord that impacted people, Dieu, your God, peut te distinguer. He can distinguish you, il and he can give orders en ta faveur. Oh, quoi en Dieu de distinction? The God of distinguishment. Quoi en Dieu de la distinction? The God of distinguishment. Il te distingue. And he will distinguish c'est un problème you. De santé. It's a problem of the health. Que mon Dieu te distingue ce soir. God distinguish you tonight. C'est un problème. Les biens matériels, ton Dieu te distingue ce soir. Reçois cette grâce. Voilà pourquoi tu vas élever la voix. Prie. Dis Seigneur, distingue-moi. Je t'appartiens. Distingue mon business. Distingue mes entreprises. Distingue mon cas. Fais ma race à toi et à ma rencontre. Digne de la brosse et de ma santa. Lazaro Tokomoyaba. Et comme il a fait à Gosen, qu'il efface pour toi. Qu'il efface dans ta famille. Qu'il efface dans ta vie. Que tu donnes gloire. Un Dieu qui aime son peuple. Qui distingue son peuple. Oh, ma sœur Agamayako. Qui de la brosse à Gabasante. Seigneur, distingue par ta gloire. Distingue nos actions, Seigneur. Distingue le mariage, Jésus. Distingue nos projets, Jésus. Fais la distinction de nos gloires, de nos services, Jésus. Je donne gloire à toi. Le Père Tout-Puissant. Baragabakoto Yogorama. Détaché de la Bakoto. Prie pour les cultes de dimanche. Que le Seigneur bénisse encore ces jours. Que sa gloire couvre ces jours. Et que devant lui, nous puissions encore trouver grâce. Prie au nom de Jésus. Et la Massari Agabakoto. Zébé la Koto Koko Seke Abaya. Ishta la zama koto lo grosseke.
Eke Maria Gama Kotoro Kobo. Inda la sabre que Kobo Yakesi. Le Yama Yamara Senza Marama Kobo. Eke Lembre Sante Malabo Kobo. Donne gloire à ton Seigneur. Fortifie les frères et sœurs. Fortifie les familles, oh Jésus. Que ton feu vienne encore. Ranimer, ranimer tous tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci. Lord, thank you. C'est dans ton propre plaisir. Dans ton propre dessein. De distinguer tes enfants. To distinguish your children. Fais ça. Do this. À notre faveur. To our favor. Donne-nous l'opportunité. Give us the opportunity. De donner gloire à ton nom. To give glory to your name. Tu es le Seigneur de distinction. You are the Lord of distinguishment. Tu as dit. You said. Vous verrez de nouveau la différence. You will see again the difference. Entre ceux qui servent Dieu. Between the one that serve God. Et ceux qui ne le servent. And the one that do not serve God. Ça a été toujours. And it has always been. Ton bon plaisir. Your own pleasure. Opère cette différence. Oh, operate that difference. Dans nos vies. In our life. Dans nos affaires. In our business. Dans nos familles. In our family. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Continue à nous préserver. Continue to preserve. À nous arracher, Seigneur. To de tout danger. Of all dangers, continue à nous fortifier. Continue to fortify us. Continue, Seigneur. Oh Lord, continue à démontrer ta miséricorde. To demonstrate. Tes bontés, tes you are wonderful. Your wonder and your compassion to our places. Et que ta main also your hand soit toujours au-dessus. It can always be de tout et chacun de nous. Of all of us. Je bénis tes enfants. I bless your children. Je bénis ce week-end. I bless this weekend. Je déclare. La victoire, the victory, la paix, the peace, la joie, the joy, l'abondance the abundance, dans tous les aspects, all the aspects de nos vies. Of et que ta gloire so your glory soit permanente can be permanent ainsi soit-il. So it can au be Jésus, in the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Si tu as la foi, if you have faith, dis que je suis distingué. Say that I am distinguished. Et que cela apparaisse dans ta vie. May this not appear in your life. Que Dieu vous bénisse.